Et nous sommes de retour pour du War Tales. On va continuer notre aventure, on a toujours nos prisonniers. On a toujours nos prisonniers. Qui se portent bien, ils sont contents, hein. Ils sont contents. Ils travaillent, ils se font fouetter une journée, après ils se reposent et ils dorment et ils mangent bien une autre journée. Enfin voilà, ça va, ça se passe bien. Oh la vache, c'est tellement un problème cette garnison. En tout cas j'ai fait un peu le... l'inventaire, j'ai un peu enlevé des choses et tout ça. Donc normalement on devrait être bon pendant un petit moment. J'ai fait des plats, j'ai fait le réconfort du paysan. Vu que encore une fois on a le problème d'alcool dans la région, on peut faire que ça plus ou moins. Donc voilà, on en a 5. Et après on a aussi un choc des cultures. Donc on a 5-6 repas. Ça va. On a 6 repas. Donc ça devrait nous faire tenir un petit moment. On a quoi d'autre? J'ai fait quoi d'autre? Pas grand chose. Je sais plus si j'ai fait des renforts. Je sais que après la fin du dernier épisode, j'ai fait quelques trucs. Mais je crois que c'était surtout de l'inventaire en fait. C'était surtout de l'inventaire. Ouais. On peut repartir. On est bon. Que je vérifie. Ouais, on est bon. Mais ouais, c'est... C'est embêtant de pas avoir vraiment le... On va dormir en fait plus souvent et on est moins efficace au combat du coup. Parce qu'on n'a pas genre... Enfin à la limite le critique je peux. On a toujours 8 choufarsis donc à la limite je peux. Mais on n'a pas par exemple réduit la vitesse à laquelle la fatigue de troupe s'accumule par exemple. On n'a pas ça. Et je vais pas l'utiliser des mats de faim en plus d'un repas. Je vais utiliser autre chose. Parce que sinon ça serait bête, on pourrait plus... faire le choc des cultures. Il y a des choses comme ça en fait, on va pas les utiliser. Donc du coup, techniquement, on va être un tout petit peu moins puissant. Voilà, c'est le seul problème de la troupe pour le moment. Donc ouais. Alors, la dernière fois, on avait dit qu'on allait... Oui, pour retrouver le sergent Audrine pour toucher votre récompense. On peut aller là. Ah, parce que là, ça fait un peu loin de revenir en arrière. On peut continuer la mission et avec et faire ça. Je pense qu'on peut faire ça. Est-ce qu'on a bientôt... On est encore à 75%, donc c'est pas pour maintenant. On n'a pas encore fini. Allez, on y va. C'est quoi ça? C'était... On leur parle à eux ou pas? Non. Non, on s'en fout. Enfin, je pense qu'on s'en fout. Non, prenez. Okay. Ah mais c'est juste à côté à chaque fois. Sur la map des fois je me dis ah mais c'est méga loin. Mais en fait non, c'est juste à côté. Alors. Et je me rappelle que quand j'étais revenu, j'en avais parlé la dernière fois, quand j'étais revenu le mec il disait mais mon mec est pas revenu. Et je sais, moi qui l'ai tué. Ah, there you are. Have you come to collect your reward? Please also accept Count Lahart's personal thanks. Yay, chroniqueur. Have you heard all these louts complaining about my so-called cruelty? How dare they? Am I supposed to forego my birthright just because Vanalis had a dream? Elle, je crois qu'elle dit rien de nouveau. Do not think for an instant. Ouais, elle dit rien de nouveau. Vous avez pas de plus d'alcool, non, vous? C'était bien, honnêtement. Ça vient un peu de l'alcool varié. On va faire la tour. Ah, on a plus le problème des crânes, ça va. On peut aller leur parler, le camp des misérables. C'est eux qui disaient... blabla, cheval, j'ai peur. Woe betides anyone mounting the black steed. The beast will take them into the night, never to be seen again. Ok. Allez, on va combattre. Si on y arrive à temps. Ah putain, t'es sérieux. Le seigneur Venu vous a fait savoir qu'il nous attend dans son château, ça marche. Aïe. Le seigneur Venu vous fait savoir qu'il nous attend dans son château. Oui, d'accord. Merci. Pourquoi tu me le mets deux fois? Ah, il faut qu'on récupère notre récompense aussi pour la chasse. Parce qu'on a fait la chasse.
On a fait la chasse. Alors. Alors là, par exemple, on va combattre. Donc on peut faire ça. On peut faire ça. Juste dernière vérification. Ok, très bien. Il y a pas mal de carcasses. Ouais, on en a pas mal de carcasses. C'est pour ça qu'on est lourd, hein, parce qu'au final, on est à 611. J'avoue que c'est surtout les carcasses. Que 47 carcasses, c'est 47 x 3 quand même. C'est énorme. C'est énormissime le poids des carcasses. Donc ouais. On n'avait pas... Attends, on n'avait pas quelqu'un qui était pas heureux, je me rappelle plus. Toi. La quantité de points de bravoure gagnés par la troupe est diminuée de 2. Oh, ça va, on est quasiment plus. Alors, ah, le prisonnier Ural s'est enfui malgré la surveillance de Johan. Merde. Oh. Il a réussi à s'enfuir, le brigand. Du coup, il n'y a plus personne qui est là. Qui travaille. Bon, bah. Non, en plus c'est le chef du... Enfin non, c'est un des lieutenants du Han. Nul, 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 nul. Je me demande s'il gagne... Ah, on est à 13 sur 12 maintenant. Marrant ça. On est au... on va plus que le maximum. Alors, notre récompense. You have my full respect and admiration, mercenaries. It's an honor to give you the blueprints for this upgrade. Le renfort du faucon, ça fait quoi? Alors, critique et dex. Critique 2. Dex 2. Bah, c'est bien. Ouais. Honnêtement, entre critique 3 et... Bah, à la limite, on devrait avoir plus de dégâts avec ça. J'imagine qu'on a plus de dégâts avec le critique et dex. À la limite, je dirais critique dex, c'est bien pour les assassins pour faire plus de dégâts. Mais les archers, je les verrais plus faire des critiques. Je sais pas. Du pareil au même, je pense. Ah, honnêtement, entre 3 de critiques et 2 de critiques avec 2 de dex, ouais, c'est du pareil au même, je pense. If this is your first time hunting the ghost on en achète ou pas? I suggest you make sure you are fully prepared. Ce genre, je suis en train de me dire que les cuirs blancs, bon, pour l'équipement, on n'en a plus besoin, ça c'est sûr. On va passer à autre chose en fait après. Mais on en aura toujours besoin pour faire les renforts. Parce que les renforts, les meilleurs renforts, ça vient des chasseurs là. Donc du coup, il nous faut toujours un bon apport de cuir blanc. Et je crois qu'on a pas mal de... Ouais, on a pas mal de crocs parfaits. Donc on va prendre ça. T'as des cornes, mais ça, les cornes, on peut les prendre ailleurs. Y a pas un coupe-bois ici? Non? Non. Bon, bonne mission menée à bien. C'est qui, ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Avec un point d'interrogation, là. Ne m'approchez pas. Ural. Ah, mais c'est le... Capturé. Alors, j'en votre trou, vos compagnons sont satisfaits. Ah, d'accord. J'ai cru que quand ils disparaissaient, ils étaient plus là. Mais en fait, si. Il n'est pas allé très loin, du coup. Ah, ok. Marrant ça. Ah, c'est sympa ça. J'avais peur aussi que je me dise ah, ils disparaissent. Genre, ils disparaissent, vous voyez. Bon, j'aurais pas été trop surpris, ça m'aurait pas trop gêné non plus, hein, qu'ils disparaissent, tout ça. Mais en fait, non, ils ont vraiment fait ça jusqu'au bout. Vous vous rappelez, à un moment, on avait.
genre au tout début, genre épisode 1, il y a un mec qui dit de nous polir nos armures, et si on dit oui, il nous vole en fait le double de l'argent, genre on lui donne 10, il nous vole 20. Et après en fait, si on sort de la ville, on le voit, on le trouve. Et en gros c'est ça quoi, c'est, ben, on peut le retrouver le mec, et ben, là c'est la même chose, c'est vraiment sympa, je pensais pas. Je pensais pas qu'on allait le revoir. Donc c'est très bien. Boom. 208, très bien. Alors... Non, je vais y arriver. J'ai mangé. Non. Non, on n'a pas critique en plus. On n'a pas critique en plus, ça se voit, ça se sent. Voir là une graine, tu vas nous faire une brochette. Un petit, voilà, très bien, petite brochette. Ils sont résistants eux, hein. Ils sont résistants, ils ont beaucoup... Ils ont des armures assez grosses. On va prendre Dolian. Duran, pas Dolian. Ça n'a rien à voir, putain. Un jour, je me rappellerai des noms. Hey! Voilà. Tu sais qu'il y a encore en mêlée, toi. C'est bon, on va pouvoir le tuer. C'est vrai que lui, il faut que je pense qu'il peut toucher... Merde, ok, d'accord. Il peut toucher à distance, que des fois je me dis ouais, je vais pas le mettre au contact et tout, mais en fait lui non, il n'y a pas de contact. Lui c'est distance. Ce qui est énorme, hein, encore une fois. Ah, vous êtes d'accord. Je pensais que ça allait finir en fait, honnêtement.
Je pensais que le combat allait finir. Attends, tu vas voir, il va finir le combat. Voilà. Avec nos petits animaux là. Très bien. Avec nos petits animaux féroces. Ouh, canif. Flèche incendiaire, ça c'est nickel. Alors, qu'est-ce que t'as là? Tonneau de brassage. Oh, énorme! Cette unité a une chance de ramasser des dents en or à la fin du combat. Ça, c'est super aussi. Alors, attends. Confirmé. J'étais en train de me demander si on devrait pas prendre un sanglier pour pour la graisse en fait, surtout pour la graisse. Enfin oui, la graisse est bien sûr le petit apport de nourriture hein, évidemment. Ouais, je me suis demandé ça. Si jamais on croise des sangliers, je vais potentiellement en prendre. Non. Attends. Lui. Putain, qu'est-ce que j'ai... Ok. Ouh la vache, c'est compliqué là. Crocoport flambé, la troupe mange 2 de moins. Ça c'est pas mal ça, crocoport flambé. C'est vraiment pas mal. Mais ouais, il faut attaquer les crocoports. Et je crois que les crocoports on peut pas les... Ouh. Des draps. Des draps, c'est cool ça. C'est un peu lourd hein, mais... C'est cool. Ah, les crocopores, je crois qu'on peut pas vraiment les élever en fait. Faut, si on veut vraiment de la viande de crocopore, bah il faut les tuer, il faut les farmer. If you wish to benefit from everything the black market has to offer, you'll have to make your way there. In the meantime, you can deal with me. I take anything and everything, wherever it comes from. Alors, on vous apprend comment faire le baume infectieux. Dégâts infligés aux ennemis empoisonnés augmentés de 5%. Ouh, c'est nouveau ça. C'est que 25. On va le prendre. Dégâts infligés aux ennemis empoisonnés augmentent de 5%. Pas mal. Ok. Ce jeu... Intéressant. Ça, je... ça doit être nouveau, ça. Ça doit être complètement nouveau. Alors, on va faire un truc qui est super bien. Bon, déjà, on peut pas la prendre pour le moment parce que notre alchimie, il est en vacances, comme j'avais dit. Je vais voir. Alors, Philacte, toi, t'en es où, là? Parce que si je le remets alchimie, on va perdre... Ah, mais attends. Parce que Tarus, toi, on t'a pas changé, par contre. Donc, Tarus, on peut faire ça. Parce que ça, c'est novice, hein. Yes. Voilà, très bien. Bricoleur. Hop. Ah oui, on a vu les dents, là. Ramasser les dents en or. Vous imaginez, genre, un des persos qui revient sur le champ de bataille. Enfin non, avant de partir du champ de bataille, qui a une pince et qui attrape, qui arrache les dents aux gens. Oh la vache. Morale en plus, soudoyer. Bon, soudoyer, c'est pas super intéressant. Mais en fait, faut que je le reteste. Je voudrais bien savoir comment ça fonctionne, en fait.
La volonté plus 1, ça marche pas. Enfin, ça sert pas vraiment. Je vais être honnête, ça, je sais pas si c'est vraiment utile. À la limite, c'est parce que l'armure est pas extrêmement élevée. Enfin, elle est quand même plus élevée pour le moment. Ah, tiens. Pour le moment, c'est la plus élevée d'armure. Mais ça sera sûrement mieux quand on sera à 200 et quelques. Alors après, on a eu quoi? On a eu critique 5%. Critique 5%. Une fois que cette unité tue un ennemi, elle génère un moral de plus. Ça, c'est peut-être pas très très intéressant. Dégâts critiques. Toi, t'as pas besoin de dégâts critiques. Parce que tu... Toi, on veut que tu fasses des critiques, pas que tu... Pas que tu fasses des dégâts critiques. Là, t'as 31... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, ça. Bombe corrosive. Applique corrosion à tous les ennemis dans la zone. Non cumulable. Liquide corrosif. C'est pas mal, ça. Hein. Il y a Tarus. On va devoir lui mettre autre chose que les haches. Hein. Au final, les hachettes, elles sont pas top. Je vois pas vraiment de différence, en fait. Ouais, bof. Bof, bof, bof. Alors, tonneau de brassage, nickel. Ça, c'est super bien. Super, super bien. Donc, ça permet de faire de l'alcool. Oh, ça fait quoi, ça? Ça fait de la bière, ok. Ça permet de faire de l'alcool avec des plantes et tout. C'est vachement cool. Alors, fais voir les augmentations. C'est super. Ça va être super utile, surtout pour nous, pour faire les plats, en fait. Ça qui est bien. Alors, fais voir la... Est-ce qu'il y a des mises à jour ou pas? J'ai pas l'impression. Ah non, il n'y a pas de mise à jour, apparemment. Il est où, le tonneau? Tonneau de brassage. Ah, si! Si, mais on l'a pas. Ok. Bah, pour le moment, on n'a pas grand-chose à mettre. Il faudrait... Je crois que c'était quoi? C'était du miel pour de l'hydromel. Après on fait quoi? Ah oui, du on pourrait prendre du raisin. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre? Du raisin. Ouais, il faut qu'on aille voir ce qu'on a chez nous. À la ville. Je me demande si... Alors attends. Vous êtes à 10%. Est-ce qu'on peut réduire ça? Genre, si je mets lui là, par exemple. Non, 10%. 30%. Ouais, non. Ah, 10%. 30%. Maintenant, c'est inversé, en fait. Ouais, il faudrait des mecs qui touchent leur case à chaque fois. Mais bon, c'est pas très grave. C'est pas très très grave. On est bon? Ouais. Bon, pour le moment, on va pas faire de la bière. Ça sert... Ah, quoique, ça peut être utile, la bière. 3 pour 3.
Il nous faut des gens. Oh là là, il nous faut plein de gens. Honnêtement, on va commencer à prendre plein de prisonniers juste pour les faire travailler, quoi. Alors, on a des gens à tuer. Je crois que ça doit être ceux-là. Cassez-vous, vous. On n'a pas besoin de vous. Là. Ouais, techniquement, il nous faudrait... Il nous faudrait... Plus de gens, je dirais. Ah, c'est chaud, quoi. Alors, on va se mettre là. Ah, j'arrivais pas à l'attraper. Ah, c'est toi qui te prends. Hop là. Très bien. On a des archers. C'est pas des archers. C'est tous des mêlés. C'est rare. Tous des mêlés. Aveuglement. Oh yes, ça a marché. C'est pas mal ça. Écoute. Faire une belle brochette. On va faire une belle brochette. Fais voir. C'est un peu compliqué de toucher tout le monde. Ok, là on touche tout le monde, on est bon. Yes. Là, ça c'est marrant ça. Ça c'est marrant. Faut que lui, on essaye de tuer un peu plus avec lui. Parce que c'est le... Je crois que c'est le dernier qui est venu dans notre groupe. Et du coup, il a pas de trait. Je crois qu'il en a pas du tout. Ah, c'est con. Je crois qu'il a pas du tout de trait. Donc, il faudrait genre... Genre, truc tout bête. Genre, combat à deux mains... C'est un peu de la merde ce truc. Ouais. Combat à deux mains par exemple pour avoir c'est quoi 5% de dégâts critiques et tenue de bouclier agressive. Si il met encore de l'armure, en moins 15% de dégâts subis à l'attaquant. Ah c'est bien ça. C'est pas mal ça. Après massacre, les dégâts sont augmentés de 50% si l'unité est engagée. Les fantômes, on s'en fout.
Là, on est bon. Je me rappelle plus que c'était œil pour œil. Je vais être honnête, c'est œil pour œil. Revenez parler au prêtre après avoir complété l'arène. Ah putain, oui. Oh la vache, c'est l'arène. Eux, on les laisse combattre indéfiniment, je sais pas en fait. Je pense pas que ça soit très très utile de se mêler de leur combat. Ah, j'ai complètement zappé. En plus, c'est tout nouveau, donc je vais voir ce que c'est. Cassez-vous. Yes, nickel. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? On avait des trucs à vendre et à jeter, je crois. Bon, déjà, on va voir le mec. Le prêtre. Did you drum some sense into those scoundrels? Oui. Blessed be the all-seeing eye. I hope they will reflect on their actions. As promised, I will impart my knowledge to you. I trust you will put it to good use, in service of the light. Ah, prévisualiser la spécialité, j'avais pas vu. Albardier. Ah, c'est sympa ça aussi qu'on puisse le voir. J'avais pas vu du tout en fait qu'on pouvait faire ça. Enfin, de toute façon, nous on va l'apprendre. Vous avez appris la spécialité Albardier. Ça c'est nouveau ça. Please use my knowledge to serve justice and faith. Ouais, enfin, on va surtout servir nos propres intérêts, hein. Je vais être honnête. Hein. C'est le plus important, c'est nos propres intérêts. Après, justice, honnêteté, tout ça, foi et tout machin. Ça peut attendre. Alors, fais voir un peu. Alors, inflige 13 de dégâts dans toutes les unités. À toutes les unités dans la zone et les repousse de 2 mètres. Les dégâts sont augmentés de 17 pour chaque unité dans la zone. Ok, plus il y a de monde, plus ça fait mal. Et ça repousse tout le monde. Ok. Intéressant. Et ça, c'est quoi? À la fin de son tour, confère déviation aux alliés adjacents engagés. Vous allez adjacent engagé. Présence bien. Ah, ça c'est bien pour le support. Ça c'est bien pour le support. Mais à la limite, je préfère taper en fait. Je préfère aider à faire des dégâts. C'est mieux. Après, on a changement de ride. Quand cette unité tue un ennemi engagé avec un allié, cette unité et son allié gagnent esquive. Esquive entièrement la prochaine attaque subie. Retirer s'il se déplace. Quand cette unité tue un ennemi engagé avec un allié. Ah, genre oui, on se met côte à côte et on tue. Du coup, tout le monde et les deux gagnent esquive. Ok. Bah, c'est intéressant en fait. Ça fait encore plus de durabilité. Mais bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre après? La unité de son tour non engagée, elle gagne fureur. Ouais. Dégâts augmentés de 5% pour chaque bonus appliqué sur cette unité. Ouais. Applique à cette unité et à l'allié ciblant autant de rage qu'ils ont de malus. Non, ça c'est un truc qu'on n'a jamais. Les malus, c'est pas vraiment quelque chose qu'on va, on va beaucoup avoir. Changement de rythme, ça m'a l'air pas mal. Si on le joue comme j'ai dit, support, là. Par contre, Albardier, je sais pas. Faudrait voir les améliorations, c'est ça le problème. J'avoue que piquier, c'est pas vraiment quelque chose qu'on utilise souvent. Je suis d'accord. Ah, il a bourreau déjà, ok, ça marche. Ah, c'est, ouais, c'est l'édic oui, qu'on doit augmenter. Ouais. Je suis pas certain, en fait, de la... Ah, je sais pas.
2. Ah, je sais pas du tout. Ça, je le garde. Ça, il faudrait que je le vende. Les draps, on va les garder aussi, si jamais on en a besoin. C'est pas... On va le garder sur... Ah, c'est un quand même. Je sais pas. Je sais pas ce quoi penser de Hallebardier pour le moment. Alors attends, on va prendre ça, 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 ça. Les plantes, non. Okay. Ouais, je sais pas quoi penser. Faudrait vraiment qu'on puisse voir le niveau au-dessus, en fait. Enfin, voir si... Qu'est-ce que ça fait si on augmente. Donc là, on a hydromel avec le miel. Ok, là, on a eau de vie. Ah, on a de l'eau de vie. Ok, nickel. Et là, on a du vin. Et là, on a du cidre. Donc, nous, il nous faut quoi? Ça, c'est bien. Ça va nous changer la vie, ça. Ça va être cool. Alors, ça. Et on n'a pas le niveau au-dessus, du coup. En tout cas, pour l'instant, non. Ouais, non, on n'a pas. Ça marche. Alors, nous, il nous faut... Donc, ça ou ça. Choc des cultures ou alors délice des coteaux. C'est un des deux. Donc, eau de vie 6, vin de Gozenberg 4. Ok, le vin de Gozenberg, ça doit être unique, on ne doit pas pouvoir le faire. Ouais, ça, on ne doit pas pouvoir le faire. Donc, il nous faut de l'eau de vie. C'est bien ça, hein, que je dis pas de conneries. Il nous faut du délice des coteaux. Non, choc des cultures, eau de vie. Il nous faut de l'eau de vie à chaque fois, ça marche. Ouais, il nous faut de l'eau de vie. Donc il nous faut plein de cerises. Il nous faut plein de cerises. On peut encore en faire 4, hein, du coup. Il faut garder ces deux trucs, ces deux plats. Et il nous faut plein d'eau de vie. Là, ça devient intéressant. Peut-être qu'on va prendre des esclaves pour faire ça, en fait. À la limite. Intéressant. Alors, on fait voir. Faut qu'on se vide l'inventaire, par contre. Alors le vin pour le moment on n'a pas besoin, ça non plus, le cidre non plus, le fromage on le pose, le lait on le pose, ça, ça, le poisson c'est lourd, non c'est pas très lourd mais on va en garder parce que le poisson des fois il nous demande, genre vous savez dans les quêtes genre on a besoin de faim, on a besoin de faim, on a besoin de manger s'il vous plaît, donnez-nous des trucs. Pour l'alcool... Attendez. Pour l'alcool, on en garde un peu, juste au cas où. Encore une fois, c'est le coup des... Des quêtes. Hop. Là, on en a beaucoup. C'est vraiment bien de pouvoir faire une réserve. Après, c'est un peu plus compliqué du coup pour gérer l'inventaire parce qu'avant, bah, t'as pas la place, tu prends pas quoi. En gros, c'était ça hein, avant. C'est pas, y a pas autre chose. Maintenant, c'est bah, des fois, ça demande un peu plus de réflexion. Hop. Très bien. Ça demande des pauses en fait. Ça demande de faire des pauses. Et se dire qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on vend. There were two of us working here until Count Lahart enlisted my cousin in his army. I haven't heard from Clay since. Ces bijoux et saphirs, je vais les garder. Parce que vous savez, des fois dans les temples, on en a besoin. Donc je vais commencer à en garder quelques-uns.
juste au cas où. Voilà, 560 sur 660, très bien. Très bien. Oh, niveau 8. Yeah, let's go. Alors c'est quoi? Prix des ventes de marchandises augmente de 10%. Okay. Alors... Ah ok, on a rien au niveau. Je pense qu'on est bon pour partir. Ah oui, attendez. The war drags on, and Lahart and Vernalis requisition. My meat is quite pungent, I admit. Oh, don't believe a word she says. Il nous faut du coup des cerises, hein, c'est ça. Il nous faut plein de cerises, mais les cerises c'est pas ici. Les cerises, je sais pas où on les a, je sais plus. Qu'ils traînent peut-être. Parfait, c'est à côté. Look how empty this room is before the. On va prendre. Il nous reste plus que les rats à faire en fait. Enfin, la mission, l'histoire principale, puis les rats. Donc, je crois qu'on va commencer à prendre les rats. Ah, chababla. Ça, on n'a pas besoin. Ah, je suis content qu'on ait le tonneau là. Ah là là, qu'est-ce que c'est bien. Ça va nous changer la vie, quoi. C'est bon, on peut partir. là-bas. Ouais, là-bas. Let's go. Bah à la limite, je suis en train de me demander si on devrait pas mettre un esclave pour le tonneau en fait. Pour faire plus d'eau de vie plus rapidement. Ah oui, il y a aussi un truc, j'ai oublié de le dire. S'ils ont pas changé, le fait d'avoir des esclaves comme ça là, des prisonniers plutôt. Une fois qu'ils sont bien avec vous et qu'ils demandent de venir avec vous, de rejoindre votre équipe, en fait, ils ont affranchi et ils coûtent moins cher à entretenir. Je crois que c'est moitié, c'est moins 50%. Donc ça, c'est pas mal aussi, d'avoir des gens qu'on a emprisonnés. Mais bon. Nous, on a déjà notre équipe, hein, mais donc on va pas les, on va pas être sympa avec eux, on s'en fout. Quoi. Alors, c'est quoi cette disposition, voyons. Alors. Pas regarder si elle peut atteindre l'archer, j'espère. Ouais, ça va. Très bien. J'utilise un peu les autres
Ouais, on s'en fout. J'utilise un peu les autres pour qu'ils aient des traits, en fait, qu'ils gagnent des traits. Ok, très bien. Je vais pas faire le combat en entier, on s'en fout. Mec tout pourri. It is a privilege to prepare remedies for Lord Vernalis. I feel closer to the all-seeing eye than ever. Ouh. Attends, toi déjà, on va prendre ça. On va peut-être prendre un remède aussi. Apprenti. Dégâts des attaques d'opportunité plus 15%. C'est bien ça. Chaque fois qu'une compétence affiche des dégâts, 50% chance d'appliquer brûlure et dégâts d'opportunité. Ah oui, mais du coup on peut pas la prendre. Attends. Est-ce qu'on peut faire des trucs à la con hein? Remède. Un remède imparfait. Ok, t'es passé apprenti. Les remèdes imparfaits, c'est pas mal pour... pour ce que je vais faire là. Genre, toi, remède imparfait. Hop là, tiens, la confiance grandit, c'est très bien. Attends, fais voir un peu. Ah oui, là du coup, c'est un peu un problème quoi. C'est un peu un problème. Désolé, hein, je replace les gens vite fait. Ah, c'est la galère. Toi. Aucun effet. Ah, j'arrive pas à la placer. Allô? Non, j'arrive pas à la... Merde. Ah, c'est pas... Là, on est à 50. Là, on est à... Je crois que ça doit être pareil. 30. Ouais, c'est pas... C'est pas parfait. C'est pas parfait. Hop. On va peut-être faire plus de remèdes imparfaits. Faudrait que j'aurais dû garder des plantes sur moi. Pourquoi faire des remèdes imparfaits? Parce que comme ça, ça coûte pas les remèdes bien. Enfin, les vrais remèdes. Ça coûte pas d'iris. Mais du coup, c'est facile à faire en fait. Puis ça fait de l'expérience pour lui. Enfin, tout le monde y gagne en fait. Genre nous on soigne les mecs, ils sont contents. Ah putain. C'est une... C'est un statut compliqué. Hein. C'est un statut compliqué entre les gens. Là. C'est un statut Facebook en fait. No deserters have been spotted in these parts for quite some time.
I wonder where they all went. I am happy to see you, mercenaries. I pray for your continued support. Blessed be Jeru. Our paths cross once again. Thanks to you, we now have an advantage in this war. Soon, Artes will rejoice in the one true faith. Today, you must become the punishing arm of the Eye. Join my ranks one last time, and together we will drive Lahar the heretic from these lands. Okay. On va devoir les attaquer. My son is a chosen one, just like Saint Jeru. Only a heretic would deny him the county, and that drunkard Lahart is exactly that, a heretic. Je suis en train de me demander, est-ce que je me suis pas mis d'un côté et pas de l'autre, maintenant que j'y pense, sans faire un peu attention. J'avais pas le choix, si. I am sorry I doubted you. Oh. How can I help you? Cool. Du sel. Ok, par contre j'ai... non, ça. Là. Flasque de poison. Un nuage de poison. Après, si on commence à faire des flasques... Ouais, on va prendre ça. Si on commence à faire des flasques, il nous faut quand même plein de bouteilles. Hein. Il nous faut vraiment pas mal de bouteilles. Parce que les bouteilles, là, on les réutilise pas hein, si on les balance. Ah, on va dormir. Est-ce qu'on est... Ok, on est bon. Donc là, du coup, on va faire pas mal de ressources. Alors, hop. Ça. Très bien. Oh là là, ah. Il y en a un qui s'est enfui. Voilà, 6 eaux de vie, c'est bien ça. Je sais pas pourquoi il s'enfuit. Genre il aime pas ici, il aime pas être là. Pourtant on n'est pas des monstres, hein. Est-ce que ça nous... Vos compagnons le trouvent sympathique. Ils sont encore plus tordus que moi. Je crois que ça nous coûte des chaînes. Je crois que elles redescendent à chaque fois. Okay. 30%. 10%. Non, ça c'est parce qu'ils sont blessés. On pourrait faire un roulement avec 2 et 2 comme j'avais dit. Mais c'est un peu chiant parce qu'à chaque fois il faut bouger les gens en fait. Est-ce qu'on met des pitons? Je suis en train de me dire là. Est-ce qu'on met des pitons? On va peut-être mettre des pitons parce que si on doit faire le tour à chaque fois, on va peut-être mettre des pitons genre là par exemple. On en a plein en plus. Hop. C'est qui ça qui s'est caché?
Ah, c'est des loups. L'attaque. Attends, j'ai un... Non, c'est... Comme ça, on fait plus d'eau de vie et tout ça. On fait plus de peau. Ça va. Si jamais on passe à côté de la prison, il faudra qu'on prenne des chaînes. Qu'est-ce que... Non, on s'en fout. On a besoin de s'arrêter en ville? Non. Hein. Non, non, on n'a pas besoin. Le combat. On arrive. Pourquoi on a pris part Long have I prayed to see Count Lahat's soul rejoin the light. Let us fight for the glory of the all-seeing eye, mercenaries. Ouais, ouais, ouais. Ambassadeur. Le comte Lahat, commandant. Ouais, donc du coup, on est du côté des fanatiques, là. Oh mon dieu, on a 8 de connaissances. Hein. Oups. On va devoir faire attention. Alors, des légionnaires... motivé. Là, on a le comte. Oh, oh mon dieu, il tape 4 fois. Ça repousse ou pas? Non. Hein. Il tape 4 fois. Vous savez ce qu'on va faire? On va rigoler. On va... Toi, tu vas te mettre là. On a pas, honnêtement, on n'a pas besoin de toi. On a vraiment pas besoin de toi. On met des gens en plein milieu. Pas très fan de mettre des gens en plein milieu en fait. Alors, elle est où Laura? Elle. Comme on a inspiration, c'est pas très très important en fait de mettre des gens en plein milieu. Tada. Tada. Critique. Font chier avec leurs dégâts de vie par contre. S'amuser un peu.
What? Attends, mamie, oui, on a un truc, oui, d'accord. Les attaques de cette unité font également perdre 5% de santé à ces unités touchées. Oui, d'accord, c'est le... C'est le bonus du mec là qui nous a rejoint. C'est énorme. Très bien. Pas, ouais, c'est pas grave. On n'a pas vraiment ordonné les meilleures personnes. Très bien. On va faire un peu de brochette. Faire un tout petit peu de brochette. Lui, il va prendre cher. Si j'ai bien calculé mon coup, il va taper 4 fois. À chaque fois, il va se prendre double riposte. C'est si j'ai bien calculé mon truc. Marrant ce truc. Ouais, toi reste là, bouge pas. On va faire un peu de. On va faire un peu de pan-pan. Tchouf. Ouais, lui, j'ai vraiment envie de le respect. Mais je le respect quand on aura le. Manqué. Oh non! Et oui, le fait de louper, en fait, ça déclenche pas la riposte. Oh, j'avais pas pensé à ça. Bah tiens, on a bien fait de tester ça, du coup. Ah, le fait de rater sa cible ne déclenche pas la riposte. Intéressant. Donc en vrai, avoir aveuglement, c'est pas bien. Ah merde. Moi qui voulais être malin. On va t'engager. Fais gaffe à ce que tu fais, toi. Oh, bon bah. Non, on va tuer tout le monde. On va tuer tout le monde.
Est-ce qu'on peut tuer avec une hachette? C'est tellement nul. Bon bah mince alors. Maintien de la ligne. Ah, je suis déçu. Ah, on est d'accord que du coup ça sert à rien. After class fled, the count's henchman needed a new blacksmith to replace him. I haven't seen my family in weeks. Ouais, du coup ça sert à rien, mince alors. Qu'on rentre en ville et qu'on change, qu'on a mis. Que bon, le... Ça, c'est bien parce qu'il se prend pas de dégâts, mais son gameplay, lui, c'est de... Bah, de se prendre des baffes pour pouvoir contrer, en fait. Oh putain, ça m'énerve, ça. Je pensais qu'ils allaient... Vu qu'il se fait attaquer, je pensais qu'il allait contrer, en fait. En fait, faudrait le mettre sur quelqu'un qui contre pas. Là, ça serait utile. Bon, on va réfléchir. Do not mourn Count Lahart and his people. They died because they opposed Jeru's will. You, however, have shown your devotion. The church will be just as grateful and delighted as I am. Please, accept this. I shall pray for all your endeavors. Ça y est, on a fini. Ah, vous avez terminé le scénario de cette région. Yeah. If only I could meet my end as swiftly as my husband met his. Ah, on peut arranger ça. Hein. Lady Vernalis hasn't yet decided what will become of the Countess. I feel sorry for her. Now that we have prevailed, I have become a countess, have I not? Ah ouais, si tu veux. Honnêtement, on s'en fout de vos... On s'en fout un peu de vos histoires. Il nous manque toujours une partie du puzzle, là. Vous savez, dans l'église, là. Je suis en train de me demander si c'est pas en rapport avec ça. Le trésor de la mercenaire. Dans les montagnes. Genre ici peut-être. Ou ici. Bon, du coup on a fini l'histoire. On va se reposer. Attends. Que je fasse pas de conneries. Ouais, non, mais bon. Ok. Ouais, on va rentrer. Puis après, on va repartir en mission. On va repartir en mission. Parce que c'est embêtant, ça. Alors, compagnons sont heureux. Connaissance. 4, 6, c'est super. C'est super. Qu'est-ce qu'il y a, Duhan? Alors, faut avouer que je ne suis pas peu fier de moi. D'aucuns pourraient considérer que je suis indispensable à cette troupe. Alors... obtient 350 avec les compagnons proches. Je dirais pas non pour les compagnons proches en fait. Très bien. Alors, eux, faut les soigner. Très bien. Ah putain, j'ai du mal à chaque fois. Je pense que je vais prendre un moment. Oh, le cheval il a monté. Je vais prendre un moment pour
refaire le camp. En fait, je crois qu'il faudrait les mettre comme ça, genre en vertical. Comme ça, je peux toucher ça facilement. Et je peux toucher les gens plus facilement aussi. Je pense. Au lieu que ça soit devant. Après, j'ai pensé derrière. Derrière, ça permet d'avoir accès en fait au bordel facilement. Mais pas les gens. Je sais pas. Ouais, on devrait les mettre en vertical pour que ça soit plus facile pour moi en fait. Ah, est-ce que t'es content ici? Tu te sens bien avec une troupe qui prend soin de ses blessures. Ouais, enfin, sauf que les blessures, c'est nous qui te les faisons. Je sens que ça va finir en syndrome de machin. Alors, hop. Et on a récupéré une arme. Alors, Kourou d'Erkéchette. Si l'unité a plus de force que la cible, les dégâts sont doublés et un coup critique est assuré. Cette masse, c'est la meilleure masse du jeu. Et honnêtement, une des armes les plus puissantes du jeu au final, parce qu'elle est très simple à utiliser et elle est très puissante. Donc là, Ménette est potentiellement devenu le mec qui fait le plus mal. Faut juste avoir plus de force, c'est tout con. C'est un check de force en fait. Donc t'as plus de force, tu gagnes, tu fais critique, tu fais super mal. Donc ouais. T'as même pas besoin du critique, toi, en fait. C'est vrai qu'au final, t'as même pas besoin de critique. C'est pour ça qu'après, bon, Marmiton, pour lui, c'est pas vraiment très intéressant. Les dégâts sont doublés, un coup critique est assuré, c'est énorme. Donc ouais. On va faire ça... let's go. On va rentrer. On a trouvé toutes les zones. Lieu découvert, 30 sur 32. Non mais je crois que c'est les rats en fait qu'on n'a pas trouvé. Par contre on a 29 sur 32. Il nous manque quelque chose. Il nous manque quelque chose d'intéressant. The war drags on, and Lahas and Vernalis. My meat is quite pungent, I admit. The war drags on. Ok, très bien. Les cordes. Oh, I don't believe a word she says. Non, c'est bon. She probably... non. Ouais, non, là, il y a le... Vous savez, à un moment, il y a un coffre où il faut un... Dans une des églises, là. Il faut l'église qui est là. Celle-là, là. L'abbaye, il y a un coffre ou quelque chose avec un morceau de puzzle. Et ça, je sais pas où c'est le morceau de puzzle. Donc ça, ça m'embête. Ça m'embête. Alors, on touche. ...50% de chance d'appliquer poison... Donc on avait dit qu'on voulait changer d'objet. Vu que ça servait à rien... Morale, dégâts critiques... Coup critique... Ah, attends, dégâts critiques ça peut être intéressant... On peut prendre le moral en plus... Ok, je vais voir un peu. On va changer quelques objets. Alors, toi, ça va. Alors, toi, on avait dit que l'aveuglement, bon, c'est sympa sur le papier, mais au final, ça t'aide pas du tout. Par contre, Ménette, tu vas passer en dégâts critiques, du coup, parce que tu vas faire beaucoup plus de critiques que d'habitude. Voilà. Avec cette masse. Pure force, c'est quoi? C'est forgeron, le pure force?
Ouais, c'est pure force, ça serait forgeron. Donc, Ménet, faudrait qu'il passe forgeron, techniquement. Bon, après, forgeron, hein, c'est compliqué, hein. On peut... Ouais, quand on sera maître, peut-être. Quand on sera maître, on fera ça. Comme ça, ça lui augmentera la force. On fait encore un peu d'inventaire. Hein. Désolé, je vais essayer d'aller vite. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire. Hop, oups. Non, remets-toi. Oups. Ok. On va un peu crafter... Les compagnons, elle va bientôt être maître, je pense. Choc des cultures, nickel. Parfait. Je crois qu'elle est bientôt maître. Ah, putain. Le fait que ça bouge à 20 FPS, 15-20 FPS, honnêtement, c'est très très embêtant aussi, hein, quand même. Compagnon, ok, elle est bientôt maître, ce qui est bien. Et ce qui est bien, c'est qu'on aura toujours deux maîtres. Marmiton, comme ça on pourra, comme j'ai dit, parce qu'on voudrait changer Ménette, on voudrait lui mettre forgeron, donc je pourrais changer, vous voyez, on pourra intervertir les boulots et tout ça, ça c'est bien ça. Ça c'est une chose intéressante. Ok, je crois qu'on est bon, on peut partir, si je dis pas de conneries. Je pense qu'on est bon. Qu'est-ce qu'on fait? On continue un peu. On va faire les rats. Je dirais. On a des torches. Réfléchis une seconde. Ouais, on va faire les rats. Ouais. Let's go. Let's go. Non merci. On va faire les rats. Techniquement, faudrait aller augmenter les armes là qu'on vient de récupérer aussi. Je crois qu'on avait fouillé ça. Yes. Ah, il va faire nuit, ils vont être... techniquement, ils vont être vénères. Qu'est-ce qu'on fait? On dort ou pas? Après, on s'est pas boosté en critique ou quoi que ce soit. Mouvement, durée de la course. Ah, ça fait un peu chier de... Non, c'est bon, on va y aller. Alors, tout le monde prend des torches. À la limite, Filak, oui, toi t'es utile avec tes bombes. Donc. Ok. Peut-être on va faire quelques torches en plus, parce que si tout le monde tape avec des torches, du coup il faudrait des torches de réserve. Torches. Mais ouais, ça c'est bien, là on va commencer à intervertir les jobs et tout ça, on va avoir plusieurs personnes et tout, c'est sympa. C'est cool, c'est cool. On va voir un peu les niveaux des rats. Ça devrait aller. Ouais, ils ont la rage. C'est pas grave. C'est pas très grave. Ok, on en a deux en arrière. Trois même en arrière. Oh, ils sont tous proches les uns des autres. Oh, c'est top ça. On va pas devoir... Non, j'ai oublié de booster. En plus, j'y ai pensé sur le chemin. Ah, quel abruti. J'ai oublié de booster les récompenses. Ah putain, combien de fois je vais le faire ça? Combien de fois je vais oublier?
Oh merde, putain, super. Attends, par contre, je peux faire ça. Alors, dégâts de régénère à sa santé à sa place. Ça peut être marrant, on peut faire ça. Voilà, 10. C'est bien, 10. 12. Fait le tour. Ah, je pense qu'on est bon. Ah ouais, le sang de d'influence là pour booster les drops. Ah là là, putain, à chaque fois. Bon, eux, ils vont tous mourir, c'est déjà ça. Ça m'embête. On va tuer toi. J'adore le bruit, ça résonne et tout. Ok, motivé. Je vais voir un peu les dégâts. C'est pas beaucoup. Qu'on soit boosté un peu plus en fait. Apparemment, personne connaît critique. Ah, ça y est. Sans de morale à chaque fois. Là, elle prend cher en armure, mais c'est pas grave, ça va aller. Voilà, merci. Enfin. C'est bon. Les autres deux rats, on devrait pas avoir besoin de les toucher. Ils vont sûrement mourir du barrage. Ok, très bien.
sais que c'est pas la meilleure attaque parce que ça fait du poison, mais bon. Ah, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on a celui-là là-bas. On a qui d'autre? Je crois que quasiment tout le monde a joué en fait. Toi, tu vas te mettre. Je vais te mettre dans un endroit safe pour pas que tu te fasses mordre. Très bien. Voilà. Critique serait bien. Yes. Va falloir avancer pour. Ouais. Ça va. Ça va, ça va. On va se mettre là. Parce que là, il y a un trou, donc peut-être que on va avoir pas mal de rats là. Ok, nickel. Okay. C'est un peu le bordel partout maintenant. C'est que Drakkar t'es pas boosté. À la limite, on peut te faire ça. Faudrait l'aura pour le la vitesse. Putain, il va aller sur. Ouais, c'est pas grave. Okay, on est déjà à 3 sur 6 parce que ils sont. Les trucs ont été détruits avec le. Le saignement et tout ça, donc ça va. Il y a lui qui est devant, qui m'embête. Voilà, nickel. Nickel, nickel. Plus grand chose. Yeah.
Ah, je vais peut-être pas le tuer, merde. Ouais. J'ai merdé, c'est pas grave. Ok. On reprend du service. Eh merde. Faut que je me mette là. Aïe aïe aïe. C'est pas parfait en fait, ça me dérange. C'est un peu le. Un peu n'importe quoi là. C'est un peu n'importe quoi. Très bien. Alors, on va... Celui-là, c'est bon. Celui-là, il va être chiant. Il va sûrement aller sur mon râteau. Je suis pas très fan de ça. Après, niveau bravo, on se débrouille super bien, y a pas de problème. Alors lui, eux, il faudrait... Hop, se désengage. Nickel. Super. Terrible. Pas mal, ah, c'est top cette dague, oh, mon dieu quoi. Aïe 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 aïe. Bon, on est bon, il ne reste plus qu'un qui est... Ah mince alors. Il est où? What? Je suis aveugle. Oh mon dieu, il est là. Ok. D'accord. Il est là. Non, toi tu vas rester parce que toi t'es en AOE, donc tu vas pas faire très très mal. Solo.
C'est pas le combat parfait. C'est pas vraiment le combat parfait. Mais bon, pas grave. Ça m'embête un peu. Laura, elle est là. Laura, ce qui m'embête, c'est qu'elle fait pas de dégâts quand on cible énormément de cibles, du coup. Et... et après le premier coup, en fait. C'est un peu embêtant. Joli. Ah, c'était joli ça. Je me suis bien placé et là il y a un trou là. C'est pour ça que j'ai fait ça. On tue ceux qui sont en dehors du cône, évidemment. Oh merde. Qu'on fasse gaffe au saignement et au... enfin, pas saignement, surtout, le poison. Qu'on fasse attention à notre... à... au poison de certains. Là. Alors... Je crois que si je reste un peu trop, on va sûrement avoir des blessés. Genre des contaminés surtout, des contaminés. Eux, ils ont pas premier soin là, ça rend fou en fait. Toi, tu vas nous aider. Yeah.
Très joli. Qui c'est qui a besoin? Oui, toi. Toi aussi, tu peux soigner. Qui a besoin là-bas? Ok, je crois qu'on a... Ouais, non. On a encore un peu de... On a encore un peu de poison à enlever. Puis après, on est bon. Est-ce que toi, tu peux... Yes. Ça va. Il n'y en a pas beaucoup à droite. Hein. Il y en a pas beaucoup. Alors, Laura. Oh mon dieu. Ah, et toi tu vas faire un carnage en théorie. Ah, t'as pas eu fureur parce que tu l'as tué, mais c'est pas grave. Normalement on devrait faire très mal. Ok, très bien, galvanisation. Alors, toi, si on peut tuer le machin. Je fais pas trop attention à qui combat. À qui est le... À quel rat, c'est autour de quel rat, mais bon, ça va... On va dire que les gens ont peut-être un peu plus de mal, mais c'est tout, c'est pas grave. Parce qu'il faut savoir aussi que là, le nid à peu près, il est niveau 7. Tout le monde est 7. Tous les rats sont 7. Et j'ai des persos 6-7, mais leurs armes sont pas à jour en fait. Leurs armes sont pas du tout à jour. Il y en a qui sont 5, il y en a qui sont 6. Donc en théorie, on pourrait faire beaucoup mieux, mais voilà quoi. Ça va. Est-ce qu'on a encore du poison ou quoi que ce soit? Non, c'est bon. Toi, tu vas mourir ou pas? Parce qu'au bout d'un moment, c'est relou. 28 de dégâts. Oui, c'est bon, tu vas te détruire.
On est bon. Toi, tu bouges pas. On peut théoriquement y aller. Enfin, le prochain tour, en tout cas. On peut peut-être lui faire un peu des dégâts, là, la maman. Là. Faudrait pas la tuer non plus, hein, sinon on est dans la merde. Enfin, sinon on perd le butin. Enfin, un butin. Haha. 6 sur 6, c'est bon. Pas très fan de la hache, hein, au final. Je vais être honnête. Hein. Ça ne sert même plus à rien, en fait. Voilà, au moins là, on tue. Non, je suis pas très fan de cette hache. Hein. Elle est pratique, mais elle est pas... Oh mon dieu, qu'est-ce qu'on pourrait faire un carnage, là. Toi, t'es un problème. Tu vas foutre le feu partout. Ah, on peut faire le tour, ça. Je sais pas combien elle a de tirs, ça m'embête à chaque fois. Mais ouais, la hache pour le moment, comme j'ai dit, elle est bien en début de partie, parce qu'on a le 150% de dégâts. Et pour une seule... Allez, à la limite 2. Quand on a le 150% de dégâts, on peut taper 2 personnes. Et en théorie, on va la tuer. Ça passe. Après, on peut pousser à 3. Encore une fois, c'est le premier coup. Hein. Toujours le premier coup. On peut pousser à 3. Si on pousse à 4, je crois que ça tue plus. Par contre, après, ça meurt du dot. En gros. En gros, c'est ce qui se passe. Mais une fois qu'on est lancé, une fois qu'on est en combat et tout, ça sert plus à rien, quoi. C'est carnage, quoi. Ça sert plus du tout à rien, là. Lâche. Ça fait 0 dégâts, c'est une catastrophe. Ah !
On va essayer de réunir un peu les gens et on va refaire encore un tour. Je crois que ça va être la fin de notre épisode de toute façon après ça. Fait un mur de boue. Allez, on va encore en tuer quelques-uns. Après on s'en va. On va faire peut-être encore un round, je pense. Regarde-moi tout ce bordel là. Alors toi tu vas faire mal par contre. Ah bah oui. Ah t'as pas la vitesse augmentée, fais chier. Des fois, il y a tellement d'informations, faut bien que je regarde qu'on tape pas un mec à nous. Ils sont plus en rage déjà, c'est un peu mieux. Si jamais on trouve une autre hache, mieux, je changerai. Encore des flèches dans le barrage, yes. On peut faire de la bombe. En théorie, en fait, on peut les empoisonner. Tant qu'on les tue, on peut les empoisonner. Parce que s'ils ont poison, moi je leur mets... Enfin, la deuxième attaque leur met fièvre. Donc ils prennent un peu plus de dégâts. Donc c'est plus simple. Voilà. Voilà. Toi, tu vas mourir. Peut-être te tuer avec ça. Ah merde. Ah ça va. C'est pour reset le barrage en fait. Par contre... Oh là là. Non, ça devrait aller.
un peu proche du... Voilà, mais on va la tuer, je crois. On va la tuer. Voilà. Quand j'aurai boosté... Ah, 17, ça va. 104 rats. Ouais, ça va comme récompense. C'est très bien. Mais quand j'aurais pensé à booster le... Les récompenses, là, on fera plus de tours. Le prochain, on va peut-être faire plus de tours. On va rentrer en ville. On va s'arrêter là. Je vais peut-être faire une pause, moi, entre-temps. Ouais, on est bon. Je vais voir un peu les hameçons. Option d'expert. Ah, c'est bien ça. Ah oui, il faudrait que je refasse le camp aussi. Ah, je suis content, ça va, c'est une bonne... Ouais, non, ça va, c'est bien. Mais ouais, ils ont baissé honnêtement le nombre de rats qu'on récupère. Je suis quasiment certain qu'ils ont baissé. Bah, après, c'était un peu absurde aussi. Mais ouais, ils ont dû baisser. Les échantillons, par contre, c'est bien de... Genre, d'en récupérer autant. On peut faire plein de potions. Pas mal de cuir pestiféré. Ouais, non, ça va, c'est bien. Mais il faut absolument que je pense à faire ça. Hein. C'est quoi? Respect de la troupe gagne plus de butin après un combat. Faut absolument que je pense à faire ça. Hein. Parce que si on peut récupérer plus de dents, ce serait cool. C'est pas qu'on en ait énormément besoin, mais... Je dis pas non. Peut-être qu'on va pas pouvoir refaire le rat. Ah, on s'est fait attaquer. What? On est peut-être pas à zéro? On peut les distraire. On va les distraire. Ah, fichu, ouais, les distraits. J'ai pas envie. J'ai pas envie de les combattre maintenant. Parce que je veux mettre fin à l'épisode, parce que sinon après ça dure trop longtemps. Elle essaie de s'enfuir, mais Ingrad, qui dormait à côté, l'en a empêché. Ok, 4, 6, nickel. Choc des cultures. Nickel. Ah, super, ça. Ouais, on fera ça après. Ah oui, 70%, j'avais pas... Ouais, d'accord, ok, ouais. Ah, mais il y a les loups sur nous, en plus, super. D'accord, il devait être dans les... Ouais, il devait être là-bas, en fait, ok, ça marche. J'avais pas vu du tout, j'avais pas vraiment fait attention. C'est bien, on peut les distraire, même si on se fait attaquer comme ça. Ah, de l'eau de vie. On va prendre le cidre aussi. Le poisson, pourquoi pas. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pêché, on n'a plus trop de poissons en fait. The war drags on. Ah mais d'accord, vous n'avez pas de restock en fait. My meat is... Vous n'avez pas de restock. Non, c'est la merde. Look how empty this room is. Might she be looking for work? Here is your reward. Nickel. Assassiner. La première Strom Cap avec de la fourrure x2. Ah, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant.
Alors, on va aller là. On va s'arrêter, du coup. Je vais regarder le camp, si on peut pas encore faire de la nourriture. Toi, t'es bientôt fini. Ok. Alors, le choc des cultures. Il nous faut des matefins aux pommes. Pour en faire encore un. Matefins, il nous manque quoi? Il nous manque des pommes et du miel. 4 pommes et un miel. Je pense qu'on a ça dans les coffres. 1, 2, 3, 4 et un miel. Je sais, si je me rappelle bien aussi, on va pouvoir créer notre propre miel. On va avoir une sorte de truc d'abeille. Attendez, j'ai pris la bonne personne. Ouais. Et on peut cultiver du coup du miel. Je crois qu'il y a un risque qu'elle nous pique ou des trucs comme ça. Mais ouais, on peut cultiver le miel aussi, ça va être vachement bien. Ça va être vraiment, 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 vraiment bien. Ok, toi t'es bientôt fini. Ok, c'est nickel. C'est bien ça. Bon ben voilà, on va s'arrêter là. C'était notre petit épisode. C'est bien passé. C'est bien passé. On a fini du coup l'histoire de... Allô, la carte, merci. On a fini l'histoire de Arthès. Et ça, on a fini l'histoire d'Arthès, on a encore lieu découvert 30 sur 32. Fini 30 sur 32, donc je pense que c'est là. Parce que là on n'y est pas allé encore une fois, et on n'est pas allé aussi à l'invasion de rats. Donc il doit sûrement avoir deux lieux, donc un c'est le rat, et l'autre c'est quelque chose ici. Donc on va faire ça la prochaine fois. Et comme j'ai dit, il manque une partie de puzzle pour l'abbaye, je sais pas où c'est. Je suspecte que ça soit donc la carte qu'on a là. Mais je sais pas si on est déjà allé ou pas là. Avec le lac et tout, ça me dit quelque chose. Je sais pas. Après, est-ce que c'est grave? Pas vraiment, mais je voudrais bien avoir la partie du puzzle. Enfin bref, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a à rajouter? Parce qu'on a plein de points. Faudra pas oublier le truc qu'on va sûrement débloquer. Bah c'est ça. Restauration. Les matériaux de réparation de forge. Disponible la forge du... Ok. Attends. On va le faire maintenant parce que sinon je vais oublier. Donc en théorie on a un livre à la forge. There were two of us working here until Count Lahart enlisted my cousin in his army. I haven't heard from Clay since. Votre troupe optimise l'entretien des armures selon les méthodes d'Edoran. Bonus et matériaux de réparation et les forgerons du village réparent 5 points d'armure supplémentaires. C'est bon. Est-ce qu'on avait des trucs à vendre? Je crois pas. Tada. Je sais pas pourquoi ils disent et les forgerons de village réparent plus. Parce que de toute façon, les forgerons ils réparent tout le temps au maximum. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je comprends pas pourquoi ils disent ça. Mais bon, en tout cas voilà, on est à 5 encore en plus. Donc du coup, on répare à 30 points d'armure. Un seul matériau brut, c'est 30 points d'armure. C'est très très bon. On est bientôt aux nouvelles armures. On pourrait même faire les nouvelles armes aussi. Je sais pas encore quelles armes parce qu'on a des... On a pas mal d'armes légendaires pour le moment. Donc c'est vrai que les armes au bout d'un moment on va s'en foutre un peu. Sauf si c'est vraiment vraiment nul. Là il n'y a rien à apprendre. Enfin rien à apprendre d'intéressant. C'est que surtout ça. Dizaine de myrtilles. Ouais, non, il n'y a rien à apprendre. Ouais, non, pour le moment, ce qu'il faudrait apprendre, c'est juste des choses ici. Hein. Là, il y a des nouvelles armes aussi de lancer. Là, on a quoi? 29 coups de poignard. Empalement. Non, les albardes en givre à ciel, elles sont pas mal. Enchaînement. Unité dans la zone. Mutilation applique saignement. Vous savez quoi? Honnêtement, là, comme j'ai dit, la hache... ou alors il faudra avoir deux haches. En fait, il faudra avoir celle-là
pour un premier coup, parce qu'à chaque fois ça reflète en fait, le dot reflète les dégâts qu'on fait au début. Donc si on tape super fort et que genre on brise l'armure ou on fait, enfin bref, on va après faire en dot un truc super fort aussi. Donc c'est bien, c'est, ça assure en fait un kill presque, c'est... Même si c'est pas en instantané, que c'est en deux tours, il faut que l'ennemi joue. Ça fait super mal, le dot, les fusions de sang, là. Mais on a vu que là, contre les rats, ça devient vraiment nul, en fait. C'est vraiment minable. Après, elle fait pas de critique, en plus. Enfin, elle en faisait pas, parce qu'on n'est pas boosté en chou, là. Mouais. Ouais, peut-être qu'elle a 8, elle va changer d'arme, honnêtement. Pour assurer, en fait, les dégâts. Plutôt que de faire des gros dégâts en une fois. Ah oui, attendez, faut qu'on me remette les boucliers. Donc, j'oublie. Très bien. Toi, tu reprends ça, mais honnêtement, je suis pas satisfait de la hachette, en fait. Elle fait pas trop de dégâts au lancer au final, ça sert quasiment à rien. Je préfère avoir des armes de lancer qu'on peut utiliser, quoi, qui sont fun. Toi, t'es devenu extrêmement bon aussi, par contre, avec ça, donc il faut augmenter la force. Je crois qu'on a des potions qui augmentent la force, donc on va devoir faire ça. On va devoir vraiment faire ça. Enfin, bref. Ça là au final pour les rats c'est extrêmement bon. Ah non, il y a que Laura qui me. Des fois qui me chagrine en fait. En tout cas, on va s'arrêter là. Volonté augmentée de deux tant que des prisonniers sont dans la troupe. Ouais. Ce sont des bons tyrans en fait dans mon équipe quand même. Hein. Des bons tyrans. Ouais, je vais refaire aussi le camp pour que ça soit un peu plus agréable pour moi pour cliquer. Et on va continuer à utiliser nos eux là. Comme ça on fait plus de peau très vite. Et on fait plus de... Ouais, ça fait du sang en plus. Ça, c'est pas mal ça. Le sang infecté honnêtement on n'a pas vraiment besoin donc c'est pas trop grave. Là ça on n'a pas besoin de le booster non plus. Par contre, ouais, l'eau de vie, non, l'eau de vie, ça c'est bien, ça. Ça c'est vraiment bien. Ça fait 6 à chaque fois, c'est énorme. C'est vraiment cool. Donc, ouais. Après, on pourrait, à la limite, comme j'ai dit, prendre un autre prisonnier et le faire travailler sur le séchoir à viande. Mais encore une fois, l'huile de poison, c'est pas vraiment super intéressant. Enfin, on en a pas vraiment trop besoin et on en a beaucoup, on l'utilise pas énormément en fait. La graisse, si, ça peut être intéressant, mais voilà, quoi. On verra. En tout cas, voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao!